projet qui représente les stades de 300 dans le temps et classe-les en ordre. Très bien, vous allez les classer en ordre. Et la femelle va donner quoi? Des œufs. Les œufs vont donner quoi? Des chenilles. Comment j'appelle ceci? Le cycle de vie de la. Comment j'appelle ceci? C'est le cycle de vie de quoi? Bien, de quoi s'agit-il ici? Très bien, donc qu'est-ce que vous avez ici? Les œufs, ils nous donnent la chenille, et la chenille nous donne la chrysalide, et la chrysalide nous donne un papillon adulte. Le cycle continue. Comment j'appelle ceci? Le cycle de vie du papillon. Très bien. Donc comment j'appelle... tu peux me montrer l'étape de la métamorphose? Où se trouve-t-elle? La métamorphose entre quoi et quoi? Entre la chenille et là? Et là? La chrysalide. Donc c'est l'étape de transformation de la chenille à la chrysalide. Donc qu'est-ce que vous avez ici dans le dans cette boîte? Qu'est-ce que vous avez? Les chenilles. De quoi se nourrissent les chenilles? Ce sont les feuilles du mûrier. Quelle est la durée de vie d'une chenille? Quelle est la durée de vie d'une chenille? Elle va vivre combien de jours? Elle va vivre combien? 15? Elle va vivre 2 semaines, ça veut dire 15? 15 jours. La deuxième étape, c'est la chenille, la troisième étape, c'est la chrysalide. La quatrième étape, c'est le papillon adulte. Et la cinquième étape, le croissement. Le croissement, une de œufs et le cycle. C'est la chenille larve. La troisième étape, c'est la chrysalide. La cinquième étape, comment j'appelle ça? Le cycle de la vie du papillon. C'est le cycle de la vie. C'est quoi la métamorphose? De la chenille à la chrysalide. De la chenille à la chrysalide. Tu peux me le montrer ici, la métamorphose, où se trouve-t-elle? La métamorphose, voici. Donc, c'est là. Donc, quelle est la durée de vie des chenilles? 2 semaines. C'est 2 jours. Quelle est la nourriture des chenilles? Ils mangent quoi? Du mûrier, c'est très bien. Attends, c'est le... Attends.